Avant de féliciter les lycéens récompensés, je tiens à saluer le ministère qui me permet d'être avec vous aujourd'hui. Cela démontre une belle ouverture d'état d'esprit de m'offrir la chance de remettre deux prix d'excellence aux meilleurs lycéens de notre pays, alors que je ne suis moi-même même pas titulaire du baccalauréat. J'ai assez à découvrir. À notre Un autodidacte à la Sorbonne, temple de la connaissance et de l'excellence, c'est un joli clin d'œil. Mais surtout, ma seule présence ici permet d'illustrer que la réussite n'est pas seulement faite de diplômes, mais aussi de travail, de conviction et de persévérance, ces valeurs dont vous en êtes tous dotés. À propos des prix remis, je suis bien placé en tant que président fondateur du groupe Anila, promoteur spécialisé dans le logement social et logement intermédiaire, pour confirmer l'importance de vous spécialiser dans la conception des logements, mais également dans celle de la ville de demain. Deux enjeux fondamentaux.